days alone. Your car won't start. It's hard to fix shit with the broken up. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous filme une petite vidéo qui est une première sur ma chaîne et c'est ma night routine. Donc là, comme vous avez vu dans les petites séquences vidéo, il est seulement une heure, mais en fait, je commence ma routine super tôt avec vous pour vous montrer un petit peu ma journée aussi. Parce que là, dans le fond, ce matin, j'ai travaillé de 8 à midi et ensuite, j'ai fait une petite sieste de 20 minutes, ben une sieste. J'ai fermé mes yeux 20 minutes. Puis là, j'ai un examen que j'ai toute la journée pour le faire, mais je vais le faire dans mes heures de cours réguliers. Comme ça, ben, ça va être fait. Donc, c'est un cours de pouvoir policier. Et là, la raison pourquoi que je vous filme tout ça maintenant, c'est que ma routine commence super tôt. Tout de suite après mon examen, ma routine de soir va commencer. Donc voilà, je vous montre ma journée. Donc là, étape numéro 1, c'est de faire mon examen. Et nous, on se reparle après. Là, j'ai été à la pharmacie, mais j'ai oublié de vous vlogger à la pharmacie. Un gros classique. Puis, je dois vous avouer que j'étais un peu gênée de vlogger là-bas. Parce que quand j'ai sorti ma caméra, il y avait bien des personnes âgées qui me dévisageaient. Donc, je peux vous dire que j'ai rerangé ma caméra et je n'ai pas vlogué. Mais, je vais quand même faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. Voilà. Donc la première chose que j'ai pris, c'est du savon à vaisselle de la marque Attitude. Puis ce qui est le fun avec cette marque-là, c'est que c'est une marque que tu achètes en vrac. Donc, mettons, la première fois que tu l'utilises, tu achètes le pot. Et ensuite, tu viens acheter cette grosse pochette-là. Puis ce qui est le fun avec eux, c'est que c'est des savons écologiques. Et j'ai aussi pris le nettoyant multisurface, comme ça, qui tue 99,99% des bactéries. Ensuite, pour les produits qui sont plus personnels, j'ai acheté de l'aloe vera parce que tantôt, avec ma skincare, j'en avoir besoin, donc je vais pas vous en parler tout de suite, mais voilà. Ensuite, j'ai acheté des petites pinces comme ça pour attacher les cheveux. Ensuite, j'ai acheté des petits rasoirs faciales comme ça. J'ai pris deux crèmes pour les mains parce qu'avec l'hiver, évidemment, c'est vraiment asséchant pour les mains. Donc là, je vais aller prendre une marche avec Kira parce qu'elle est vraiment, mais vraiment énervée. Je vais aller prendre une petite marche santé, écouter de la musique. Je vais aller pratiquer ses trucs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais à une patinoire. Et à côté de chez moi, qui a pas été faite dans le fond. Fait que c'est vraiment juste les plates-bandes. Puis je vais là avec Kira, puis comme ça, elle peut courir. Je lance la balle. Elle peut vraiment dépenser son énergie. Donc c'est vraiment cool. Puis normalement, je vais au parc à chiens, mais là, Kira a attrapé la grippe du chenil, fait qu'elle peut pas avoir de contact avec aucun chien. Puis il y a comme une éclosion à mon parc à chiens, comme toutes mes amies qui vont là, ils ont leurs chiens, ils ont attrapé la grippe du chenil, comme à deux jours d'intervalle, comme hier, puis avant hier, comme mes amis m'ont texté, hey, mon chien est malade, puis tout. Il y a vraiment une éclosion, donc malheureusement, je vais pas aller au parc pendant un mois parce que c'est ce que le vet m'a recommandé de faire. Toujours quand je mets son harnais. Elle a...
elle bougera pas, là. Elle va rester. Donc, après ma marche, j'ai décidé de m'habiller pour faire de l'exercice dans mon petit workout de la journée. Donc, au moment où est-ce que vous voyez la vidéo, Gatineau, on n'est plus en zone rouge, on est en zone orange. Donc, les gyms sont réouverts, mais pendant que c'était en rouge et que les gyms étaient fermés, j'utilisais une plateforme qui s'appelait Beachbody. Mais en fait, ça s'appelle toujours comme ça. Donc là, c'est ça, je me préparais à aller faire mon petit workout. Donc, je mets toujours une ceinture comme ça pour suivre plus. Je me mets une bonne playlist et je vais travailler. Le workout, en fait, c'est simple. C'était 30 minutes d'exercice non-stop. Puis, comme vous voyez, je suivais vraiment à l'ordi tous les mouvements. Et je sais pas si vous allez remarquer entre mes vlogs, mais moi, en tout cas, je l'ai remarqué, j'ai perdu quand même du poids. Donc, vous allez voir dans mes prochains vlogs, mais j'ai vraiment plus la même tronche. Donc, voilà, je vous laisse regarder la suite. Donc là, on peut voir que j'ai vraiment sué. Et ensuite, je suis allée manger. Donc là, on est rendu à ma routine du soir. J'ai utilisé un petit rasoir comme ça pour enlever tous les poils de mon visage. Bien évidemment, j'utilise de l'aloe vera avant tout. Ensuite, je suis venue appliquer ce produit-là d'Ordinary. Honnêtement, je connais pas tous les noms. C'est vraiment mon ami qui me les a conseillés. Donc, je sais même pas ce qu'ils font, honnêtement. Et là, ça brûlait tellement, OK? À cause que j'ai passé le rasoir, ça l'a enlevé toutes mes gales. Puis là, je pleurais puis tout, là. Mais c'est ça, ça brûlait vraiment. Fait que chaque fois que je mettais les produits, ça brûlait à la mort. Je pense que ça n'a jamais chauffé autant. Puis vous pouvez même voir ma face, comment elle était rouge, là. Fait que là, j'ai mis de la crème pour bien hydrater avec une huile. Ensuite, je suis venue appliquer de l'eau thermale parce que ma face brûlait. Regardez comment c'est rouge. Faites jamais ça. J'ai basé le petit rouleau aussi, puis vu que c'est comme une pierre froide, ça l'a vraiment aidé, là. Genre, ça brûlait tellement. Fait que là, ensuite, j'ai brossé mes cheveux. Et moi, je fais tout le temps ça. En fait, quand ils sont mouillés puis que je vais dormir, je les brosse et je viens me faire une couette. Sinon, ils frisent tout croche. Fait que là, j'ai mis de l'huile. Et j'en appliquais partout, parce que mes cheveux sont quand même très secs. Fait que même si j'en mets beaucoup, ça paraît pas. J'utilise un petit chouchou aussi pour moins briser mes cheveux. Et je viens appliquer un sérum sur mes cils pour qu'ils poussent. Ensuite, je suis venue me brosser les dents, bien évidemment, comme tout le monde. Puis, moi, j'utilise toujours cette huile essentielle-là pour dormir, donc j'ai rempli mon petit diffuseur. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et nous, on se revoit dans un prochain vlog!